Célébrée chaque année depuis 2009, la 10e édition de la Journée nationale du drapeau sera célébrée à l'échelle nationale ce vendredi 9 août 2019 sous le thème « Éthique, conscience patriotique et construction nationale ». Une manifestation instituée par le président de la République en vue de permettre à ses compatriotes de s'approprier les symboles de la nation, cultiver l'esprit patriotique tout en favorisant l'émergence d'une culture citoyenne de rehausser le sens des responsabilités et le devoir républicain. C'est le décret numéro 0860 du 2 décembre 2009 qui formalise cet événement qui, au fil des célébrations, a connu un engouement populaire. Cette manifestation qui devrait aussi amener tout un chacun à cultiver et à renforcer davantage l'esprit patriotique en approfondissant le sentiment d'appartenance à un même pays, une même nation, une même communauté, bref, calmer haut et fort leur fierté d'être Gabonais en se souvenant du 9 août 1960, car c'est ce jour-là que fut adoptée la loi numéro 56/60 portant modification de l'emblème national par l'Assemblée nationale. Bref, selon certaines sources, après 9 précédentes éditions célébrées à la présidence de la République, la 10e édition aura lieu en plein air, plus précisément à la place de l'Indépendance. Alors que les préparatifs de cette dernière vont bon train, nombreux Gabonais s'interrogent sur l'effectivité de la présence d'Ali Bongo à ces commémorations qu'il avait lui-même initiées dès son arrivée au pouvoir en 2009. Ali Bongo sera-t-il présent à la place de l'Indépendance de Libreville pour la 10e édition de la Journée nationale du drapeau? La question est plus que d'actualité devant les sorties limitées du président de la République depuis son AVC survenu le 24 octobre dernier en Arabie Saoudite.